moi c'est Arlène. Aujourd'hui je vous ai préparé un nouveau type de vlog. J'espère que vous allez aimer. Il est sur une journée et il est en voix off. N'hésitez pas à me dire si vous aimez bien ce type de vlog ou pas, pour que j'en fasse plus souvent. Bon visionnage à vous. Alors, quelle blouse prendre? Évidemment que c'est des blouses en nylon. J'en ai vraiment beaucoup. J'ai une blouse Grey's Anatomy, genre. Je sais même pas où est-ce que je l'ai eu. Incroyable. La première partie du TP consiste à faire une coloration de gramme, qui est un protocole simple mais très efficace, car au bout de 24 heures, on peut voir au microscope la couleur, la forme et la disposition des bactéries, et donc savoir quel type de bactérie c'est, et donc quelle maladie le patient a, pour lui prescrire le bon traitement. La deuxième partie du TP consistait à trouver la meilleure solution bactéricide entre un savon doux, un savon chirurgical et une solution hydroalcoolique. Donc on pose nos mains avant et après et on laisse reposer toute la nuit pour voir le résultat le lendemain. Quel gélo sera le moins de bactéries selon vous? Ensuite, on a observé des parasites au microscope et dosé sur une tablette. Jouons aux devinettes. Pour vous, c'est réponse A, poux, réponse 2, morpion, réponse 3, gale. Bravo, c'était la réponse A. Même question, mais sans la proposition A du coup. C'était la réponse C. Du coup, voici à quoi ressemble un morpion. Est-ce que vous l'aurez imaginé comme ça? Il n'y a que le pouls, j'ai grave bien dessiné, je suis dégoûtée. Puis on nous a présenté grandeur nature des vers qui étaient dans le ventre de patients. Ensuite, on nous a présenté d'autres vers, mais c'était des lames sur tablette, donc voilà, contentez-vous de mes dessins. Le soir, il y avait une rencontre avec les médecins pour leur poser des questions. On a vérifié si on a distaffé le cox doré dans le nez ou dans la gorge, parce que ça concerne 3 personnes sur 10, et dans ce cas-là, il faut prendre des mesures d'hygiène supplémentaires lors d'une opération chirurgicale. J'en ai pas, me voilà rassurée. Ensuite, on a refait une coloration gramme, pas besoin que je vous remonte le process, et on a observé les lames hier au microscope pour essayer de reconnaître en fonction de gramme plus, gramme moins, etc., comme je vous expliquais tout à l'heure. Négatif en amas. Waouh, il faut vraiment de la patience pour réussir à filmer correctement. Pour la matinée. C'est à ce moment-là que j'ai profité pour dessiner les derniers parasites qui me restaient, puisqu'on allait avoir une petite interro avec fiche autorisée. Voilà, la go, elle est artiste. Bon, à la fin, j'avais trop la flemme, mais en vrai, ça va, je vous assure que vous allez voir les images et ce que j'ai fait. Par
contre, c'est tellement dur de dessiner les plasmodiums du palu. J'ai eu 5 sur 5. Et voilà, le vlog est fini. Je vous ai fait des plasmodiums. N'hésitez pas à commenter ce qui va et ce qui ne va pas en commentaire.